Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'ai un témoignage à faire. Et je tiens à vous dire merci pour vos prières. Je ne me sentais pas. Et j'ai écrit dans le groupe. J'ai demandé qu'on prie pour moi. Et le prophète m'a appelé. Je n'ai pas pu décrocher. Il a prié pour moi. Il m'a envoyé le vocal. Quand j'ai écouté, j'ai dit Amen. Après, je me suis couchée. Je n'arrivais pas à dormir, mais j'ai pu m'endormir très bien. Je me suis endormie. À mon réveil, on dirait le deuxième corps qui était en moi, qui me faisait mal, on l'a enlevé. On dirait, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais, quand je me sentais mal, on dirait que j'avais un surpoids en moi. Que je ne pouvais pas me lever. Que mes pieds, mes bras, tout mon corps tout entier me faisait mal. Mais, après la prière, moi, je me suis endormie en même temps. Et quand je me suis levée, on dirait quelque chose qu'on avait mis sur moi et puis on a soulevé cette chose sur moi. Et maintenant, je me sens mieux. Je me sens mieux. Parce que, de un, j'étais malade, j'étais couchée, je ne pouvais pas prendre soin de mon bébé parce que c'est un nouveau-né. Bon. Un enfant de 4 mois, son papa aussi ne pouvait pas prendre soin de bébé. Tellement moi-même, mes larmes coulaient, j'ai appelé, j'ai compris pour moi, pour que je retrouve la santé, pour pouvoir m'occuper de mon bébé. Et on a prié pour moi. J'ai retrouvé la santé. Et je tiens à dire merci infiniment à notre prophète, à toutes les membres du groupe qui ont prié pour moi. Bon, mon français est un peu... Voici le code pour avoir accès aux réunions de la prière sur Zoom avec le prophète Léonel du ciel Wanji. Nous vous invitons à vous connecter 3 fois par semaine, les mardis, vendredis et dimanches de 20h à 21h, avec le prophète Léonel du ciel Wanji. Se déroulera les mardis études bibliques, les vendredis prières de délivrance et consultations prophétiques, et les dimanches culte d'action de grâce et sainte scène. C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à nous rejoindre à toutes nos réunions de prière avec le prophète de la nouvelle génération.